Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une nouvelle peinture abstraite, vraiment très très facile à faire avec du scotch, vous allez voir. Je voulais aussi vous dire que je me suis fait enfin une page Facebook, donc je vous mets le lien sous la vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors je vais commencer par faire le fond. J'ai pas dilué ma peinture de manière à ce qu'elle soit bien opaque. Et donc je vais faire, j'utilise un spalter. Et je vais mettre différentes nuances de jaune, marron, orange, voilà. Et je ne vais pas faire trop attention aux traces de pinceau. Alors là, j'ai attendu que mon fond sèche bien. Ensuite, j'ai mis du sparadrap. C'est du ruban adhésif de masquage. Donc ça abîme pas la peinture et ça colle bien plutôt quand même. Donc c'est pratique. Et donc, je vais remplir les cases. Voilà. Donc là, j'ai de la peinture non diluée sur mon premier pinceau. Et sur le deuxième, j'ai mis du médium. Alors j'utilise du médium pour faire ça, pour pouvoir rendre la peinture transparente. Parce que si je mettais de l'eau, la peinture, l'acrylique, ça supporte pas plus de 40% d'eau, je crois. Sinon ça se décolle et tout. Donc c'est pour ça que là, c'est mieux avec du médium pour faire ce genre de choses. Pour rendre la peinture transparente. Voilà, et l'avantage c'est qu'on s'en fiche des traces de pinceau puisqu'il y en a partout sur le fond, donc ça se verra pas plus maintenant qu'avant. Donc c'est pas. Vous pouvez y aller, c'est pas grave. Donc là j'ai juste retiré directement les scotch. Et donc avant d'en remettre, il va falloir attendre que ce soit sec. Mais comme vous l'avez dilué beaucoup, normalement ça sèche vraiment vite. Donc vous attendez 2 petites minutes, vous mettez un coup de sèche-cheveux et puis c'est bon.
Alors je voudrais faire une sorte de losange, plus ou moins. Et sur les bords, je vais pas délimiter comme ça, franchement. Je vais étirer la peinture pour que ça fasse un petit dégradé. Donc je mets ma peinture, comme tout à l'heure. Ensuite, je l'étire, pareil. Là, je rince mon pinceau. Je remets un peu de médium. Et je retire la peinture de manière à ce qu'elle soit de plus en plus transparente. Alors si jamais vous avez dépassé, on voit peut-être pas bien à la caméra, mais c'est un peu dépassé ici. Donc je vais juste remettre un tout petit peu de médium, ou même de l'eau. Mais juste un tout petit peu, et ensuite en repoussant la peinture, ça la décolle. Et donc vous pouvez l'enlever.
Alors voilà ce que ça donne. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment très facile à faire. C'est juste un peu long en fait à cause du temps de séchage, puis de coller tous les scotchs. Franchement, c'est ça le plus long. Puis le plus difficile, c'est d'arriver à les mettre droit. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager si ça vous a plu. N'oubliez pas non plus de passer voir ma page Facebook. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo.